Dans la création d'entreprise, je voudrais faire un petit comeback au niveau de ce qui s'est passé dans la création d'entreprise depuis la loi 1687, qui est une loi qui a mis en place le premier programme de financement de la création d'entreprise au Maroc. C'est ce qu'on avait appelé le crédit jeune promoteur. Et au début, et le Maroc n'est pas le seul à avoir tenté ça, un peu partout dans le monde dans les années 80, ont donné des fonds pour inciter à la création d'entreprises. Ces fonds étaient donnés avec bien sûr avec des intérêts, mais sans garantie. Ça, c'est pas un problème. Le problème résidait dans le fait qu'il n'y avait pas d'accompagnement. Ça revenait à dire que Monsieur X avait un diplôme, il passait à la banque, il prenait un crédit sur la base de documents qu'il remplissait, mais il n'y avait aucun suivi, il n'y avait aucune exigence de plan d'affaires ni quoi que ce soit. Et très vite, il y a eu de gros dégâts. Après, il y a eu la loi 1394 qui a mis en place un programme modifié du programme jeune promoteur et qui était le programme à l'auto-emploi. Le programme à l'auto-emploi s'inscrivait dans une enveloppe budgétaire de 250 000 dirhams, mais avec une exigence d'accompagnement. Et par ce même billet, l'État payait 10 000 dirhams à certains organismes pour faire l'accompagnement à la création d'entreprises. Et à partir de là, on a eu plusieurs organismes qui se sont plus ou moins spécialisés dans la création d'entreprises. Et donc, j'en arrive à votre question. Actuellement, il y a énormément de structures qui font l'accompagnement à la création d'entreprises. Il y a, l'ANAPEC, mais elle s'est retirée un petit peu du créneau. Il y a les chambres de commerce, d'industrie et des services. Il y a des associations. Il y a l'OFPPT. Il y a les organismes de crédit qui commencent à s'intéresser à l'accompagnement, parce que c'est une garantie de remboursement des crédits. Et actuellement, dans le cadre d'un projet financé par le Millennium Challenge à Caen, il y a même un accompagnement post-création sur 2 années après la création pour pouvoir, si l'on veut, entourer l'entreprise jusqu'à ce qu'elle puisse tenir et devenir pérenne. Bien sûr, avec tout ça, on n'a pas une pérennisation de 100%. C'est illusoire de rêver à une pérennisation de 100%. Mais on arrive à pérenniser des entreprises qui sont a priori fragiles. Avec un accompagnement adéquat, on peut les faire vivre. Et les structures sont là. Il y a des experts nationaux marocains dans l'accompagnement à la création d'entreprises et l'accompagnement post-création. Il est certain que les choses ne sont pas encore très structurées, mais on est en phase de structurer ce créneau de l'accompagnement, que ce soit en amont à la préparation de la création ou après la création, c'est-à-dire quelques années après la création de l'entreprise. A concerné beaucoup plus le secteur bancaire, les grandes entreprises qui exportent. Mais un jeune qui va faire de la production d'abord pour... Ce n'est pas local, ce n'est pas régional. C'est vraiment son petit monde qui est autour de lui. Je ne pense pas que ça a un impact. Par contre, là où je vois un intérêt, moi, c'est que cette entreprise, si elle a grandi, si elle grandit entre-temps,
La crise ne va pas être là éternellement. La crise, elle est conjoncturelle. Il va y avoir une mutation du monde économique. Et si cette entreprise s'est faite une petite place, elle a toutes ses chances quand elle grandira au moment où on surmonte la crise.